beaucoup. André. On applaudit André. Merci. Prendre les armes. Rédiger la nuit des tracts somptueux de désir. Écriture ivre d'évidence. Livrer à la pierre la parole éclair qui blesse et soulève des vies entières sur des frontières de sable gris, labourées d'aubes violettes. Crier cette nuit, désincruster le silence, une hanche rêve, les mains veinées. Surgir et briser les conventions admises, s'insurger contre la mise au pas intolérable des horribles petits dictateurs arracheurs de cœur. L'ennemi se dissout dans l'air du temps et jouit des crimes qu'il génère, sans se compromettre, puisqu'il masque ses visages. Ouvrir la plaie dans le secret de la nuit, pour écouter hurler les innocents, massacre après massacre. Tituber entre les lignes de démarcation, sous le tir nourri des mercenaires qui réécrivent avec du sang les charniers de la honte dans les livres d'histoire. La peur plonge ses racines noires au sein des foules piétinées. Ouvrir la nuit jusqu'aux confins du désespoir et prendre les armes, les seules armes qui vaillent pour combattre ces monstres qui dépècent nos existences, violentent nos consciences, exécutent notre joie de vivre. Leur sens dévoyé de la justice nous égare. Ils accumulent fortunes et biens, se partagent les terres fertiles, ils quadrillent les villes d'espions électroniques et se barricadent derrière les murs épais de leurs bunkers, en préparant les guerres très sophistiquées de demain. Prendre les armes, les seules qui vaillent, les armes lucides de la désertion. Arrêter de collaborer, c'est refuser les chantages hideux auxquels ils nous soumettent, à notre corps défendant. Le marchandage visqueux des contrats d'obédience, les ordres sadiques et les marches forcées. Des éclaireurs s'aventurent à travers les mailles de la nuit, messagers amoureux dépêchant les signes du ralliement et du renouveau humain. Nos armes, ce sont nos mains qui se frettent un passage dans cette nuit temporelle. Ce sont nos voix qui inventent des vérités surnaturelles en invitant les mots à voyager à travers des mondes méconnus. C'est la poésie en liberté, créant des sociétés fraternelles, sans dogme ni chef pour les étouffer. Ensemencer la nuit d'une écriture plus dense, se rendre invisible pour que la lumière s'inscrive avec sa part d'exil sur tous les fronts sensibles. Ouais.